Léonce, Emmanuel, Clavel et Jérémy à la veille peut-être d'une nouvelle carrière chez Infrabel. Sur le site d'Infrabel Academy, la seule école du rail en Belgique, Julien, ambassadeur de l'entreprise publique, explique les différents postes à pourvoir. Actuellement, on recherche beaucoup de profils, notamment des techniciens dans la voie, des opérateurs spécialisés, Trax. Il y a également des profils au niveau de la caténaire. Vous avez également des profils en cabine de signalisation. En 2022, Infrabel souhaite recruter un nombre record de 930 personnes, dont 150 rien qu'à Bruxelles. Les profils techniques sont avant tout visés. De quoi rassurer Jérémy, car lui a déjà travaillé 15 ans chez Infrabel avant de lancer son entreprise dans le bâtiment. Il souhaite désormais revenir pour un poste de technicien travaux de voie. Disons que le ferroviaire, c'est un peu comme un microbe. Tous ceux qui ont été dedans pourront le dire. Une fois qu'on a goûté, on est pris par le virus et on ne sait pas s'en débarrasser. Donc j'ai tenté l'expérience de m'éloigner de ce secteur pendant 5 ans, mais voilà, j'ai réellement envie de revenir dans le ferroviaire et surtout aussi chez Infrabel. Pourquoi ? Parce que pour la stabilité de l'emploi. La visite se termine par une mise en situation grâce à la réalité virtuelle, de quoi tester les réflexes des candidats. Pour travailler chez Infrabel, pas toujours besoin d'un diplôme, l'entreprise offre des formations et d'intéressantes possibilités d'évolution de carrière. On mise vraiment sur les talents et on fait évoluer ces talents. Donc on a développé un nouvel outil online transparent sur l'évolution salariale. Donc les personnes qui le souhaitent peuvent aller voir sur le site d'Infrabel. Voilà, je vais commencer à un tel niveau de salaire en tant que personne non qualifiée avec un diplôme de l'enseignement secondaire. Et voilà la prétention salariale que je peux espérer dans quelques années. Après la visite, présentation des CV et passage devant un jury afin de décrocher éventuellement un emploi dès ce samedi. Si Jérémy est pris, il pourrait commencer une carrière de technicien chez Infrabel dès le 16 mai prochain.